un soufflé au chocolat. Let's go! Alors, on va commencer par beurrer notre moule. Alors, on a notre beurre fondu, notre pinceau. Très important de beurrer de bas en haut. Donc, on commence comme ça et on beurre jusqu'en haut. Hop, on n'hésite pas sur le beurre. Maintenant, je beurre le centre. Et une fois que mon plat est bien beurré, oula, je viens prendre du sucre. Et on en met bien partout. De toute façon, tu vas l'enlever l'excédent en fait. Et bien sûr, on enlève l'excédent. Donc là, c'est parti, je vais monter les blancs d'œufs et je vais serrer ça avec le sucre. On va l'ajouter en deux fois dans le mélange. Enzo vient de nous monter les blancs en neige. On a fait fondre le chocolat au bain-marie. On va y ajouter le beurre fondu. Et on va mélanger jusqu'à ce qu'on ne voit plus. Voilà, vous avez vu la texture, ça s'est un peu épaissi. Là, on est bon là. Donc une fois que les blancs sont montés, je vais ajouter les jaunes d'œufs et surtout pas trop montés. Pour la suite, on va incorporer les blancs montés, les œufs montés dans le chocolat en 3-4 fois. Déjà, on va prendre ça, on va mettre ça déjà. Une fois le chocolat détendu avec les œufs, on va mettre tout dans le reste de l'huile. Et on va remélanger à la spatule. Là, nos blancs sont bien incorporés au mélange chocolat et beurre. Donc là, on va verser le tout dans le moule. Donc délicatement surtout, parce que même en faisant ça, les blancs, ils risquent de retomber. On va mettre le soufflé au four pendant 20 minutes à 180 degrés et surtout, on n'ouvre pas le four pendant la cuisson. Hop, c'est parti pour 20 minutes. Donc là, au bout des 25 minutes de cuisson, on va sortir le soufflé. Une belle bête. Notre magnifique soufflé au chocolat est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Instagram et maintenant notre compte TikTok. Et ouais, on s'y est mis, comme quoi tout est possible. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, bon moment.